Ils luttent nuit et jour contre la dépendance aux drogues et à l'alcool. Ces hommes ont décidé d'emprunter une autre route, celle de la réhabilitation. Un parcours semé d'embûches, où le moindre faux pas peut résulter à une rechute. Au centre de Solitude et à celui de Rosil, ils témoignent de leur abnégation à vaincre leurs addictions. Moi, mon problème, c'est la boisson. Et au début, j'ai commencé comme chez l'école. Quand il y a un programme, comment sporter ou faire du fait, ça là, je peux commencer à boire pour mes camarades. Après, j'ai commencé un week-end, une fois la semaine, parce qu'elle vient tous les jours. Il vient tous les jours, il y a là, mon casque commence à manquer. Il commence à venir au sec plus fort, il rompt, je vais être là. Et du coup, il vient manger, mon frère, ça, il vient, tant que mon casque pour boire mieux. Ce qui me fait marrant de la manière, tant que mon casque boit là, c'est moi, puis une fois, un grand matin, pas toujours un grand matin du tout. Mais une fois, un grand matin, je vais voir la vie. Le lendemain, grand matin, je vais pas tout bien. Je vais attendre, je ne vais pas travailler. Et je vais me mettre dans la tête, je vais voir, mais. Et bordé, dans ma terre, tout corrompu. Mais dans l'écouté, il y a l'aimant qui commence à boire dans ma terre. Mais comme il commence à boire dans ma terre, c'est que ça a une binaine. Mais dans 10 corps, il y a. Chaque coup, comme on passe en chemin, bien me déborder, il y a une bonne journée. Je vais aller comme ça 4-5 jours, je vais me casser fini, je vais me malade 2-3 jours, je vais me répondre au travail. Et là, on se tombe dans la boisson, mon âme quitte-moi. Mon âme quitte-moi. Et là, je commence à plusieurs réunions, je commence à prendre l'aide. Pour l'aide pour tout le monde, même comme voisin, comme vous voyez, je ne suis pas un caca. Je me suis dit, je me suis dit, je viens comme un caca, je ne suis pas un caca. Je me suis dit, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Et laisse-moi faire un saut de chaîne là, tant que je commence par un navire, une fois pour moi, je termine avec l'alcool. Dernier affaire, mon boss, c'est l'alcool. Pour moi, aussi, on est dans la longue place, 15 ans. J'ai commencé pour sortir plutôt en liberté avec mes camarades. J'ai commencé à me confirmer, je suis vendé, back market. Moi, je suis pas nous, je suis confirmé, je suis retouché, je suis retouché. Ça, tu commences par là, après, nous avons une boisson, la boisson à l'alcool. Pendant la saison de 7 ans, donc, je dis, c'est un bon conseil, tu vas essayer de la liberté. À la 17 ans, on va de l'héroïne, j'ai la copie d'héroïne. Je commence par l'héroïne, je suis synthétique. Synthétique, je ne suis pas trop là-dedans, mais je suis tout synthétique aujourd'hui. Donc ça, je ne suis pas tiré de moi du tout. Je suis côté plus héroïne, la copie d'héroïne. Dans ma famille, si je n'ai pas de problème, comme je disais, que ma famille m'a confiance en moi, j'ai une copie de la famille, mais j'ai une copie de. Je me pose comme moi pour un gars sac, pour des choses à cavaler. Aller comme ma famille, trouver qui me mange du mec, dépéri, rien ramasser, finir ramasser le. De la manière qu'on se fait mort, aller, maintenant tout cas, je t'ai perdu le. De la manière qu'on se fait rien avec moi. En fait, maintenant, je vais prendre un coup de deuxième coup. Troisième coup, si je t'ai prendre un coup de deuxième coup, mais pas encore, parce que c'est ce moment-là, je vais être content de ça plus. Parce que quand on ouais, ça va. Ça fait la route. Quand on a une famille, il y a des gens qui sont là. Dans mon famille, il y a une famille devant lui, devant l'autre, il y a une famille. Il n'y a pas de faire des choses. Parce que le facteur, il faisait la route. Mais là, ça, là, il y a mon vote. Mon mine de sorte. Je tiens beaucoup. Qui s'en met, je peux attendre. Pour m'entendre, parce que elle me tient son enfant. Tourne à l'école, mon enfant, jusqu'à 5. Je passe pour les gens, ils font 4 tout après. Je suis un joueur sportif, je me fais beaucoup plaisir à de manger. Je joue au football, même dans l'école, je fais tout le temps sur le premier depuis, je manage des activités de sport. Mais ça me s'attendre qu'il y ait un moment où je vais des affaires pour moi, qui me tombe des affaires pour moi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la drogue n'est pas pour choisir un dimanche, soit disant que je ne suis pas en train de lire, je suis un joueur éduqué, mais je ne sais pas pourquoi choisir. À la fin du programme de réhabilitation, les pensionnaires ressortent pour la plupart grandis et fin prêts à entamer une nouvelle vie. Mais ils gardent en tête que leur combat pour rester clean, ils le mèneront à vie. En effet, l'addiction ne les quitte jamais, guettant le moindre signe de faiblesse pour les faire rechuter, avec la multitude de risques que ce type de vie implique. Ce serait dès lors
retour à la case départ. Un retour en arrière qui hante sans arrêt les pensionnaires. À cause de l'alcool, je perds mon madame. Et je ne donne pas aux enfants l'affection, je ne donne plus vomir d'un côté de l'alcool. Je perds tout. Tout le monde perdit. C'est à partir de la communauté ici qui m'en apprend à regagner mon valeur. Qui m'a été, comment m'a été. Et mon conseiller Banzin qui a fait comment se rendre dans un fléau là. Mon conseiller autres parents là-dedans. Il y a beaucoup de qualités, problèmes là-dedans. Il y a problèmes pour côté ménage, l'amour, l'affection aux enfants, tout perdit avec ça. Mais je prends mes propres décisions. Je accepte de venir ensemble. Et aujourd'hui, je suis moi bien. La substance que je peux consommer, c'était synthétique. Synthétique, et je trouvais qu'il de plus en plus prend l'ampleur dans Maurice, dans la ville. Et moi, pour mon propre point, c'est qu'il peut détruire tout mon petit jeunesse qui peut venir. Et aussi, même personne qui est âgée, je peux sortir dans une substance dure et je peux rentrer dans synthétique en pensant que synthétique pour diminuer d'autres sentences. Mais non. Et c'était, comment dire, tous les jours. Moi, parce que je fume une cigarette, parce que je me dis ça non. Pénalité, moi, je fume une synthétique. Moi, j'ai un bon post-travail qui m'a perdu grâce à la synthétique aussi. Un sens qui, comment dire, famille, bonne vie, elle est dure. Moi. Je n'ai même osé lire des doigts avec maintenant, mais quand je me réveillais, quand je me réalisais que comment dire, la vie qui me ramenait pas bon, là, je suis venu avec moi, le fils prodigue un peu. Et maintenant, il y a moi, les bras ouverts, parce que je n'ai aucune mauvaise pensée. C'est ça qui moi, personnellement, m'a perdu. Réveiller un monde neuf, un monde qui est bien accueillant, un monde qui est bien amical et tout. Et comme je suis de substance, que je suis perdu tout ça là. C'est une notion que je suis perdu. Moi, pour moi, je suis dans le centre ici pour regagner mon moral avec mon chien. Je passe de beaucoup au calvaire. Je tiens tout ce qui m'a besoin, je tiens les enfants éduqués. Et là, je suis tombé dans la substance, je perds presque tout. Ma famille n'est pas confiance en moi. Mon maman, mon papa, mon banisseur. Donc, madame, dernièrement, tu peux commencer avec moi. Tu n'es pas dans l'amour pour moi. Après 10 ans, je suis dans la substance. Je suis trouvé qu'il y a été retiré mon passé là-dedans. Mais, on va tous avoir un avis correct. Depuis qu'il y a un avis de chien pour moi. Parce qu'il y a une bonne alliance, une bonne bague, une bonne scène. Mais moi, ce qui m'a aidé pour me dire, ce qui m'a conseillé pour me gêner, ça c'est réfléchis 3-4 fois, même 1000 fois aussi avant de faire une quitteuse, avant de rentrer dans la substance. Parce que, substance, elle n'a fait pas jolie du tout, pas jolie, pas bon. Parce que moi, je ne peux pas me dire pour un coup, soit le sort, soit l'amour. C'est des affaires que je trouve côté substance. Aujourd'hui, moi, je gagne un nouveau sens pour refaire mon vie. Je suis dans la drogue, là, c'est 14 ans. Et ça, je me perds beaucoup de choses dans mon vie. Je me perds mes parents, je me perds tout, je me perds. Je me perds, regardez-moi la famille. Et là, je viens de son solidarité, et tout va arroser. Et ça s'entend dans la mémoire, beaucoup de valeur. Ma valeur qui m'a bien dit, je vais apprendre quelque chose, il y a beaucoup de choses que nous apprenons ici. Dans le secteur, on apprend le climat aussi, on apprend le repas, on apprend planter, et nous apprenons à faire poultry. Et on a fait là, c'est mon type de substance. Je dis à mon médicament pour ma médaille, moi je suis capable. Je suis pour avoir ma substance. Parce que je veux dire la vie, derrière la vie, il y a 10-3 victimes, soit il y a la prison, soit ici, soit l'amour. Mais on a une petite garçon, on prend conscience. Mais la vie, je dis, je veux faire l'avenir, mon garçon, soit la vie. Ça ne pousse moi pour me dire, pousse moi la vie. Étant engagé dans le combat contre la drogue et en même temps offrir un service de réhabilitation et de réinsertion à un dépendant de drogue et d'alcool depuis cette année-ci 30 ans, depuis 30 ans qu'il nous paye vrai, bien sûr, nous gagnons l'aide du ministère pour nous capables de fonctionner. Voici quand même opérer 300 en même temps, tout frais payé, c'est-à-dire gratuit, donc il requiert un fonds.
Donc nous avons l'assistance du ministère depuis ces 30 dernières années-là. Mais en même temps, maintenant, nous saluons aussi un généreux sponsor, une compagnie qui est nous dans ce combat-là pour qu'il nous réalise ce projet qui nous est là. Pour rappeler que ce projet-là, c'est un projet homme, et c'est-à-dire mettre l'homme debout, en est autonome des substances et il vit la vie libre de toutes les substances et il retourne dans sa famille, il reconstruit sa famille. Oui, moi c'est Christian Boret. Je travaille dans le centre de solidarité depuis 2000 ans. J'ai l'occasion de faire le programme dans le passé, j'ai l'occasion de faire. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de location, il n'y a pas de moyens, si je n'arrive pas à ce problème-là, pas décourager, pas dire qu'il y a un moyen, ça veut dire non complice. Non, assisé, réfléchi. Et là, maintenant, sans solidarité, la faute trouver. Et capable de sortir dans un problème et aussi d'une certaine vie, d'une certaine avenir.